Salut! Me voilà de retour pour la deuxième partie de notre histoire. Souviens-toi, nous avions commencé Chien pourri à l'école. Alors on va d'abord se remémorer de quoi parlait ce début d'histoire. Donc Chien pourri s'engage à aller à l'école parce qu'il veut apprendre à lire, pour lire les étiquettes et arrêter de manger de la nourriture qui est périmée et qui est pourrie. Et il promet aussi évidemment à Chaplapla de lui lire des histoires. Et donc il se rend à l'école mais il n'est pas très bien accueilli par les autres chiens sur place qui sont un peu issus de milieux un peu plus confortables et qui rejettent du coup Chien pourri. Alors là, on en était arrivé, il était dans la cour et son ami le Labrador qui le défendait, c'était le seul chien qui le défendait, avait quitté la cour pour aller dans les toilettes et s'était fait enfermer. Le Chien pourri n'avait absolument rien capté de ce qui s'était passé. Alors, nous reprenons l'histoire. Combien de puces a ce chien galeux ? 23, compte le petit Basset. Ah non, 22, j'ai confondu avec une tique. Très bien, dit la maîtresse. Et toi, chien pourri, dans combien de poubelles as-tu fourré ton nez ce matin ? Chien pourri se concentre. Celle où j'ai trouvé une pomme à moitié entamée, plus celle où j'ai bu de l'eau gazeuse sans bulle, moins celle que je me suis prise sur la tête. Ça fait combien ça? Oh, si seulement Chaplapla était là, je pourrais compter sur ses moustaches. Alors, dit la maîtresse. 15 ou 4 ? S'interroge Chien pourri. Mon Dieu, dit la maîtresse. Affligée. Tout à coup, elle s'aperçoit que le Labrador a disparu. Où est passé le petit insolent? Le Labrador a mis des enfants et des chiens galeux. Oh, il est parti chercher un sucre à l'infirmerie, ment le pitbull. Très bien, quelqu'un lui passera la leçon. Je le ferai, promet Chien pourri. Mais il est distrait et il a trop faim. J'espère qu'il y aura des saucisses et des frites à la cantine. Tellement fin qu'il n'écoute plus aucune consigne de la maîtresse. Ceux qui mangent à la cantine, levez la patte. Chien pourri est perdu dans la cour. Oh, je ne sais pas où est la cantine. Oh, à vrai dire, je n'en ai jamais vu. Il décide de suivre l'odeur des frites et des croquettes qui lui chatouillent les narines. Je rapporterai une frite à Chaplapla. Il avance intimidé vers un surveillant qui filtre les entrées. Doit-on faire la queue ? Demande Chien pourri. Tu peux toujours manger la tienne, lui répond le surveillant. Tu as oublié de lever la patte tout à l'heure. Pas de patte ? Pas de patates, ricane-t-il. Chien pourri abandonne. Oh, je suis une frite sans stèle, un fil sans haricots, un chien sans collier. Et il se dirige tristement vers la sortie. Je vais suivre ce dalmatien, pense Chien pourri. Peut-être voudra-t-il partager un os avec moi. Arrête de me suivre, grogne l'animal tacheté. Je vais retrouver ma maman à la sortie. Moi aussi j'ai une maman, dit Chien pourri. C'est ça, vieux débris, va. Pauvre Chien pourri qui fait semblant d'attendre sa maman devant la grille. C'est alors qu'il aperçoit Chaplapla. Oh mon ami, que fais-tu là? J'ai eu peur que tu aies froid, je t'ai apporté une cagoule ramassée dans le caniveau. Oh merci, tu me réchauffes le cœur, Chaplapla. Alors, comment est ton école? Super. Je me suis fait un copain qui est à l'infirmerie. La maîtresse est sévère, mais juste. Je crois qu'elle m'aime bien. Oh, elle ne m'a même pas donné de coup de pied, hein. Je suis content pour toi. Ce soir, tu me liras un vieux livre que j'ai trouvé sur un banc et nous compterons les croquettes pour nous endormir. Je ne te décevrai pas, Chaplapla. À ce soir. Et il retourne vers la cantine. Oh, je ne peux pas tenir toute la journée sans manger, gargouille Chien pourri.
Il rôde autour du surveillant, et lui lance ce fameux regard de chien pourri. Allez, tu peux passer, vieille serpillière. Tu aideras les dames de service de nettoyage. Chien pourri va s'asseoir à côté du bouledogue. Je t'échange une frite contre 10, dit le molosse. Un troc chic, pense chien pourri. Ce camarade veut partager. Quelle bonne idée! Mais que se passe-t-il? Je ne vois rien. Oh! Un farceur m'a envoyé sa compote dans l'œil! Après avoir dévoré 4 bouts de pain rassis et reçu un broc d'eau sur la tête, chien pourri, rassasié, remonte dans sa classe. Qui mange des noisettes et grimpe aux arbres? Le pigeon, demande chien pourri. L'écureuil, corrige la maîtresse agacée. Mais chien pourri ne connaît pas cet animal. Il n'en a jamais vu dans sa poubelle. Chien pourri, qu'est-ce qui a un long cou et de petites oreilles? Bah, vous, maîtresse. Imbécile, tu réciteras 100 fois, je ne dois pas répondre à ma maîtresse. Mais c'est vous qui m'avez demandé de répondre, dit chien pourri. Et il continue. Bien, dit la maîtresse. Passons à la leçon suivante. Qu'est-ce qui est sale, râpé et dégoûtant? Moi, dit chien pourri. Bravo, tu progresses. Tu auras droit à un bout de gras, ricane la maîtresse. Chien pourri est ravi de cette nouvelle. Il se souvient de toutes les fois où il a été récompensé. Il cherche mais ne trouve pas grand-chose. Il est ému, il se frotte à sa maîtresse pour chercher sa récompense, mais ne reçoit qu'une tape sur son oreille. Voilà un exemple typique de mauvaise manière, dit la maîtresse. Je passerai donc à une nouvelle leçon. De la tenue. Vous en aurez besoin chez vos maîtres et maîtresses. C'est bizarre, moi je croyais que c'était elle la maîtresse, dit chien pourri. Bien, qui peut faire le beau? Le caniche à frange et un chihuahua rivalisent d'adresse pour se tenir debout pendant que chien pourri se recoiffe avec une gomme. Qui peut se tenir à table sans poser les coudes? Le bulldog est terrible à cet exercice tandis que chien pourri confond ses coudes avec ses genoux, son tibia avec sa tête et sa tête avec sa queue. Qui sait faire une révérence? Le basset impérial. Chien pourri, lui, tombe à la renverse et s'écroule comme une crêpe sur l'estrade. Pauvre chien pourri, il ne sait rien faire de bien. Et maintenant, pour devenir des chiens savants, passons à la leçon d'écriture et de lecture. Chien pourri frétille et il s'enfonce 2 stylos dans les oreilles et 1 compas dans le nez pour être bien concentré. Je ne sais ni lire ni écrire, dit chien pourri à son voisin, un coquer triste. Bah, qui sait déjà lire Qui sait déjà lire, demande la maîtresse. Je connais mes lettres, dit le petit basset. Et moi mes boucles, dit le caniche à franges. Je reconnais le mot croquette, dit le bouledogue. Et le labrador, qu'est-ce qu'il connaît le labrador? Eh bien, il n'est pas revenu de l'infirmerie, celui-là. Oh, c'est mon copain, dit chien pourri. Attendez-moi ici. Chien pourri, garde la classe. Le premier qui bouge, mords-le et transmets-lui la rage. Chien pourri s'installe au bureau de la maîtresse. Oh, si Chaplapla me voyait, il n'en reviendrait pas. Et tandis qu'il reçoit des stylos, des gommes et des ciseaux sur la tête, il rêve au jour où il saura lire pour raconter des histoires à Chaplapla. Mais parfois, dans la vie d'un chien pourri, il arrive des choses terribles. La maîtresse revient en pleurant et dit « On a perdu le labrador, j'aurais dû l'attacher, c'est ma faute, oh, je vais être renvoyée de l'école. Je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas elle, sa maîtresse.
se demande Chien pourri. C'est alors qu'il saisit la chance de sa vie. « Maîtresse, maîtresse, si je vous le ramène, j'aurai droit à une bonne note ?»« Oui, mais je doute que tu puisses faire quelque chose, ce chien stupide. » C'est qu'elle ignore. Ce qu'elle ignore, c'est que Chien pourri n'a pas son pareil pour dénicher des trésors dans les poubelles, des bijoux dans les caniveaux. Et des boîtes de canigou dans les égouts. Alors, Chien pourri, n'écoutant que son instinct, se rue dans les couloirs de l'école à la recherche de son ami. « Où je vais faire pipi contre toutes les portes, se dit-il. Comme ça, je saurai où je suis déjà passé. » Au bout d'une heure, de porte à porte, Chien pourri pense enfin à vérifier les toilettes. Il trouve le labrador bâillonné. « Mon ami !» s'écrie Chien pourri. « Bon, quel drôle de compagnon tu fais ? Tu t'es attaché aux toilettes ? Avais-tu peur qu'elles s'envolent ?» Une fois, une gentille dame a jeté des WC dans notre poubelle. « Mais ne t'inquiète pas, hein, celles-là, elles appartiennent à l'école et je ne crois pas qu'elles puissent disparaître. »« Tu ne réponds pas ? Ah ben oui, il faut que j'enlève le scotch que tu as sur ton museau. » Une fois délivré, le labrador s'écrie « Mais tu ne comprends donc rien, chien pourri. Cette école n'est pas pour nous. »« Bah alors pourquoi restes-tu ? » ?»« Bah j'ai promis à un petit garçon de l'aider à faire ses devoirs. »« Ah, oh, et moi à chaplapla de lui lire des histoires. »« Tu penses vraiment que tu peux apprendre à lire, chien pourri ?»« Oui. »« Quel gentil chien tu fais. Tu mériterais d'avoir une maîtresse. »« Mais j'en ai une. » Chien pourri ramène le labrador dans la classe. Et la maîtresse s'écrie. Oh, enfin vous voilà! Bravo, chien pourri! Et vous, le labrador, où étiez-vous? Aux toilettes, maîtresse. Le labrador ne veut accuser personne, mais la maîtresse qui a des yeux derrière la tête aperçoit le pitbull qui se cache sous la table. Dites, le petit teigneux, c'est donc vous qui avez enfermé votre camarade? Vous êtes renvoyé! Vous avez de la chance que je n'appelle pas la fourrière. Quant à toi, chien pourri, pour ta récompense, préfères-tu une bonne note ou un bout de gras double ? Non, un cours pour apprendre à lire, répond chien pourri. Et tandis que le caniche et le basset rangent leurs trousses, que le pitbull s'en va piteusement, chien pourri apprend à reconnaître son nom. À la sortie, les chiens courent vers leur maître et maîtresse, et chien pourri vers chaplapla. Il dit au revoir à son ami le labrador, partit réciter une poésie à un enfant. Seul dans les toilettes et sans croquettes, j'ai passé une horrible journée, mais chien pourri m'a délivré. Comme promis, chaplapla attend son ami avec des miettes de pain au chocolat. Il a même trouvé un bout de sucette par terre. As-tu bien travaillé ? Demande chaplapla. « Oui, je sais désormais compter les girafes et les écureuils, et je ne sais pas vraiment ce que c'est en fait une girafe ou un écureuil. »« Mais as-tu appris à lire ?»« Un peu, » dit chien pourri. « Je m'aplatis devant toi, » dit chaplapla. Les deux amis rentrent dans leur poubelle. « Regarde, chien pourri, ce que j'ai trouvé. Un livre. Oh, il y a une tranche de jambon à l'intérieur. On la partage ?» « Non, je veux que tu me fasses la lecture. » Chien pourri voudrait avouer à son ami Chaplapla qu'on n'apprend pas à lire en un jour, mais il n'a pas le cœur à le décevoir. Alors, en se raclant la gorge et en recrachant une vieille coquillette coincée dans son gosier, il fait semblant de lire. « Il était une fois un chien et un chat qui étaient les meilleurs amis du monde. » Le chien allait à l'école et le soir, il racontait à son ami Chaplapla pour que lui aussi puisse apprendre à lire les étiquettes des boîtes de pâté pour chat. « Quelle belle histoire !» dit Chaplapla. « Alors demain, tu retournes à l'école ?»« Je ne sais pas, Chaplapla. Tu m'as beaucoup manqué. Il faudrait peut-être trouver une école mixte pour les chiens pourris et les chats aplatis. Oh, »« Quelle bonne idée !» Et nos deux amis s'endorment l'un, la tête dans une boîte de sardines, l'autre la queue dans un pot de rillettes. Ils rêvent à d'autres aventures qui les attendent à l'école de la vie. Et voilà, c'est ainsi que se termine
nos deux épisodes sur Chaplapla à l'école. Sur Chien pourri à l'école. J'espère que ça t'a plu. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à te raconter cette histoire. Je te remercie de ton écoute. Je te vois. Des gros bisous. Et à bientôt.